Bonjour à tous et à toutes, c'est Hélène pour une vidéo sur Fornor pour vous montrer comment faire le drapeau d'Algérie. Donc comment créer le drapeau d'Algérie. Donc j'avais déjà fait une vidéo où je vous montre comment faire le drapeau de la Turquie. Donc là je vais vous montrer comment faire le drapeau d'Algérie. Donc il y en a deux, pourquoi? Parce qu'en fait il y a deux façons de le faire. Donc je vais vous montrer les deux façons de faire le drapeau d'Algérie. Donc c'est parti, on va commencer par celui-là. Alors, arrière-plan, vous mettez ce carré-là. Avec couleur 1, vous mettez blanche, enfin blanc. Symbole 1, vous mettez le carré, ce carré-là, pas celui-là, celui-là. Après la couleur, vous mettez vert clair. Après, vous pouvez changer un peu la couleur, mais voilà quoi. Après, vous faites ce que vous voulez, juste pour vous refaire le drapeau d'Algérie. Après, vous pouvez changer la couleur si vous voulez. Enfin, bah non, vu que c'est le drapeau d'Algérie, mais bon, bref, voilà. Voilà, à transformer, vous mettez ça. Donc translation Y, Y, redimensionner, pivoter, vous mettez les mêmes chiffres. Après symbole 2, vous mettez le cercle, couleur vous mettez rouge. Après il y a trois rouges, et moi je préfère celui-là. Après c'est comme vous le sentez, comme vous voulez, comme vous préférez. Après transformer, vous mettez les mêmes dimensions, les mêmes chiffres. Après symbole 3, vous mettez le cercle. La couleur vous mettez blanc, transformé vous mettez ces chiffres là. Symbole 4 il n'y a rien parce qu'en fait il y a en fait il y a un, je vais vous expliquer après. Symbole 5 vous mettez symbole étoile, la couleur vous mettez rouge, transformé vous mettez ces dimensions là pardon. En fait le problème en fait avec celui-là c'est que comme vous pouvez le voir, entre le croissant de lune et l'étoile, en fait, il manque la couleur verte. Et en fait, franchement, j'arrivais vraiment pas à le faire. Donc j'ai réfléchi, mais j'arrivais pas à le faire. Pourquoi? Parce que, je vais vous montrer, par exemple, symbole 4. Voilà. Moi, j'avais trouvé un truc qui était pas mal. C'est, par exemple ça. Voilà, vous prenez ça. Couleur verte, voilà, c'est déjà fait. Vous transformez. En fait, vous le rapetissez tout petit et après vous le tournez pour que là en fait là le vert qui manque faut qu'il remplisse le blanc. Vous voyez là le blanc là en fait faut qu'il rentre dedans mais sauf qu'en fait il dépasse. Vous voyez ce que je veux dire? En fait il dépasse et en fait j'ai pas trouvé un symbole qui pouvait cacher le blanc en fait, enfin qui remplace le blanc par le vert ciel, le vert clair pardon. Donc voilà, en fait il y a juste ce petit bémol là que je n'arrive pas à trouver, je n'arrive pas à comment faire quoi. Voilà, je n'arrive pas à vraiment à le faire. Par exemple, j'avais trouvé celui-là aussi, qui était pas mal. Vous voyez, là, le blanc, en fait là, de là à là, normalement c'est ça doit être vert. Et comme vous pouvez le voir, j'ai pas trouvé le symbole j'ai pas trouvé le symbole pour en fait. Voilà, juste désolé pour ça. Donc ça c'était pour celui-là. Après il y a celui-là. Comme vous pouvez voir, ça c'est un drapeau carré en fait. Ça c'est un drapeau plus rond. Si vous voyez ce que je veux dire. Celui-là il est plus rond. Celui-là il est plus carré. Donc voilà. Arrière-plan, vous mettez le carré. Couleur, vous mettez noir. Symbole 1, vous mettez le rond. Le cercle, pardon. La couleur, vous mettez blanc. Transformé, vous mettez ces dimensions-là. Après, symbole 2, vous mettez ça. Couleur, vous mettez le vert, transformé, vous mettez ces dimensions-là. Symbole 3, vous mettez ça comme symbole, couleur, vous mettez ça, transformé, vous mettez les mêmes chiffres. Symbole 4, vous mettez ce symbole-là, les couleurs, vous mettez couleur blanche, transformé, vous mettez les mêmes dimensions, les mêmes chiffres. Symbole 5, vous mettez ce symbole-là, étoile, couleur, vous mettez cette couleur là, transformée, vous mettez ces dimensions là et voilà. Donc je trouve celui-là, je trouve qu'il est mieux fait et comme vous pouvez le voir il manque un peu de vert donc je suis vraiment désolé. Et en plus dans celui-là ça m'a pris un symbole de plus comme vous pouvez le voir, alors que celui-là vous voyez symbole 4 il n'est pas utilisé, alors que celui-là le symbole 4 il est utilisé. Ouais, donc en fait il y a deux façons de faire le drapeau de l'Algérie. Après vous pouvez changer les cadres,
Mais je trouve que celui-là, je trouve que celui-là, il est bien. Après, il y a plusieurs cartes que vous pouvez choisir si vous voulez. Celui-là qui est pas mal aussi, sauf qu'il cache un peu, donc pour ça j'aime pas. Donc voilà. Si vous avez des questions ou ce que vous voulez, je répondrai dans les commentaires. Et donc voilà. C'est la fin de cette vidéo. C'est la fin de cette vidéo. N'oubliez pas à liker, à commenter, à vous abonner à ma chaîne, à activer les notifications. Merci. Ciao.